Nous débutons au Nigeria. Les autorités nigérianes ont annoncé mardi que le bilan des attaques lancées par des groupes armés s'élevait à au moins 160 morts. Elles ont indiqué que plus de 110 corps avaient été retrouvés lors des attaques qui avaient débuté samedi dernier et s'étaient poursuivies lundi dans l'état du Plateau au centre du pays. Les hommes armés ont pris pour cible environ 20 villages dans les régions de Bokkos et de Barkin-Ladi. Plus de 300 personnes ont été blessées. Les habitants ont été contraints de fuir leur maison. Aucun groupe n'a encore revendiqué la responsabilité de ces attaques, considérées comme les plus graves cette année dans la région. Le centre du Nigeria est en proie depuis des décennies à des violences entre les groupes ethniques et religieux, ainsi qu'entre les éleveurs nomades et les agriculteurs qui se disputent des ressources rares.